On passe au foot, Christophe. Le PSG devra attendre encore un peu pour être sacré champion de France. Ah bah au moins jusqu'à samedi. Prochain rendez-vous de la Ligue 1. Hier soir, Paris a gagné face à Angers. Victoire 3-0. Mais Marseille s'est imposé dans le même temps face à Nantes. 3-2. Du coup, Cédric Chasseur, eh bien la fête est reportée de 48 heures. Oui, Paris aura été virtuellement champion pendant une heure jusqu'au but d'Amin Harit pour Marseille face à Nantes, synonyme de succès olympien et qui prive donc temporairement le PSG de son 10e titre. Pour cela, il faudra sans doute attendre samedi face à Lens au Parc des Princes, un scénario qui ne semble pas déranger le gardien Keylor Navas, interrogé par Canal+. Oui. A seguir por la misma línea que hemos venido antes, yo creo que tenemos que ganar todos los partidos y esa es nuestra mentalidad y ojalá que el próximo podamos ganar y celebrar con nuestros fans. Et qu'on pourra célébrer avec nos fans. Reste que les retrouvailles avec les supporters ce week-end ne s'annoncent pas très chaleureuses. Ceux qui ont fait le déplacement à Angers ce mercredi, environ 500 sont restés très silencieux une nouvelle fois. Certains quittant même le stade 20 minutes avant la fin du match. L'ambiance risque donc d'être plutôt fraîche samedi soir pour ce qui pourrait être le match du sacre contre Lens. Et au classement, Paris compte 15 points d'avance sur Marseille. Dans le bas du tableau, Bordeaux toujours sous la menace d'une relégation après son nul de partout face à Saint-Étienne.